Yeah! J'ai acheté un petit truc pour poser mon téléphone. Ah, merde. On a tous ces potes relous pour organiser une sortie. On vous aime, hein? Vous êtes nos amis, hein? Tout va bien, hein? Mais on peut plus vous blairer. Donc dans la catégorie potes relous pour sortir, sont nommés... L'annulaire compulsif. Bon, lui te dit qu'il vient. Et les jours de la sortie. Allô? Je suis malade. Il y a mon piano qui a avalé un chien. Ma fourmi est morte. On est chez le veto. Le mec annule. Je suis sûre qu'il a un planning d'annulation. Au bain oublié. Ensuite, il y a le roi du suspense, de l'intrigue. Le Hitchcock des SMS. Quand tu lui demandes s'il vient, il répond. Peut-être. Suspense. Je suis mystérieux, je suis vaporeux. Non, on sait que vous attendez un arrière-plan. Hola viento. Il y a ceux qui s'en foutent d'où on va, où est-ce qu'on sort, tant qu'on est entre amis. Mais on peut aller au code barre, s'il te plaît. Ils sont souvent combinés avec ceux qui ne veulent pas aller à plus de 10 minutes de chez eux, leur travail. Ça dépend où est-ce qu'ils se trouvent, au moment où tu leur demandes. Sous l'horaire, quoi. Mais en gros, c'est autour d'eux. Je suis pas semblant de pas avoir compris. Moi, je les vois comme ça. La vie, je n'ai jamais marché plus de 10 minutes. Sur 9. Pieds 9. Genoux 9. C'est ceux qui font inviter 3 semaines en avance. Parce qu'ils ont un planning de ministre. Mardi, j'ai cours d'aquaswimming. Mercredi, j'ai claquette avec Beyoncé. Jeudi, j'ai hélicoptère avec Michel Drucker. Il y a ceux à qui il faut faire une reconfirmation tous les 2 jours pour ensuite pas les perdre. On le perd. Clampé. J'ai vu ça d'un gré d'anatomie. Reconfirmation à J-3 demandé. Accusé de réception de la reconfirmation. Confirmation de réception de l'accusé de réception. Ils pour une reconfirmation dans 24 heures. Allez, au revoir. Allez, bisous. Il y a les fantômes. Gasper. Ils te disent qu'ils viennent. Mais ils viennent pas. Sans donner de raison. Et ceux qui sont dispo. Mais quand tu veux. Bah demain alors. Ah non, demain je fais pas. Ah bah mardi alors. Mardi, je finis tard. Jeudi. Aïe. Le 17 août 2019. Essaye un cas. Et moi je refuse plus fort. Bah alors Nikoumouk. Pas dispo. C'est mon vrai. Il y a ceux qui répondent à ton texto. Genre 9 jours plus tard. Bah ouais, mais le jour de la sortie il est dépassé du coup. Notre vie a changé, on a évolué, j'ai eu des enfants, j'ai changé de sexe. Donc les gars, s'il vous plaît. Faites un effort pour venir voir mon spectacle à Lyon. Pouh, tu l'as pas vu venir. Tu peux trouver toutes les dates en cliquant sur réserver. Sur la page en haut.